Voilà. Allez plus vite. D'accord. C'est vachement intéressant. Bah attendez que je regarde. C'est mieux pour toi, tu te calmes parce que je t'ai mis une balle, mon pote. Hop là. Oh, magie, courroux, énergie. Oh là là. Équipé. Impossible. J'ai trouvé du stuff violet, les gens. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Ok, ok. C'était short, hein? Au millimètre près. Hop là, hé. Toi prends un coffre quoi. Ah non, ouais, je pensais que ça allait être plus simple que ça. D'accord, j'ai pas compris le... Ah, pour aller chercher le coffre peut-être. Non, puis merde, je m'en fous. Allez hop. Bon, bah, c'est tout. Avançons. C'est quoi ces cailloux rouges, là? En plus, ça se ramasse même pas, c'est ça qui est chelou. Pourtant... C'est possible de faire genre... Ah, je suis un fou. Ouh, ils ont fait des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Bon, la clé. Hop là. Et qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième coffre? Un petit stuff. Regardez, ça brille là, c'est bleu. Moi je pensais que c'était un genre de d'objet caché, un truc quoi, un truc bueno, Pepper le hamster. Allez, salut. Hop. Un petit chargement histoire de se faire plaisir. Ah, des ennemis corps pop. Moi j'en vais pas avec toi, je te dis tout de suite. Hein.
faire. Ok. Oh, pas mal ce petit combo là. Je crois que c'est ce que j'ai acheté au maître de compétences là, qui permet de, si on appuie bien, de faire des trucs de ouf. If you know what I mean. Bon, de l'eau. Il doit y avoir quelque chose de caché derrière le mur. Tellement prévisible. En même temps, c'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement de... Bah d'avancer, tout simplement. Chouchou. Bon. Voilà. Hop là. Merde. J'ai fait le saut de l'ange, c'était magnifique. Putain. Allez, go, 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 go. Ça s'enchaîne là, faut suivre. Hein. Ok, hop là. Non, j'ai fait R2. Non. Oh putain, j'ai envie de... Oh là 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 là. C'est pas possible, ce n'est point possible. Putain, mais pourquoi ils ont pas mis Hadès? Des ailes, comme War. C'était classe, c'était excellent, stylé. Voilà, c'est beau. Alors, Spider-Man. Voilà. Hop. Deuxième âme. Tu es à moi. Tiens, salut. Oh putain de merde, mais... Dotens. Voilà. La potion de soin qui fait plaisir et... Je prends ça, allez hop. Et c'est tout. Il y a un coffre, ça me dit qu'il y a un coffre. Là. Et merde. Il y a pas moyen de se TP à côté de Biloute là, directement. Oui, je me suis craqué la nuque. Je sais pas si vous avez entendu. Non, pas moyen de se téléporter directement près de Biloute. Je vais devoir taper tout le temps au tapis. Enfin, je pense que c'est là que je dois aller, hein. Attendez, je vais rejeter un coup d'œil. Oui, c'est ça. Mais attendez, j'ai pas up depuis? Bon. Bah non, j'ai pas up, j'ai cru que j'avais up, mais non, je n'ai pas up. Mais écoutez, hein. Allez, c'est parti mon kiki. Allez. Tiens, prends ta deuxième âme. Le jugement est proche. Ces humains, toujours si effrayés,
Ces développeurs, toujours si paresseux. On se tape exactement la même scène. Voilà. Hop, il réapparaît. Oh, une tour qui fait peur avec une tête de mort. Allez, go. Yes. Oh. Ta-ta-ta. Sésame, ouvre-toi. Alors... un système des... le roi Lich débat. Ah non, j'ai déjà fait la blague. Oui, très bien. Bah écoute, ça pouvait attendre un moment. Bon, il tape un peu fort pour moi là. Oh, putain, c'est balèze ce qu'il fait. Allez-y, mes ghouls. Aïe. Donc, alors, hop, et une petite potion de santé. Donc, alors, ça, ça. 1 et ça c'est 2. Là je suis à 1, donc là je vais aller à 2. Comme de par hasard. Hop. Donc je suppose que... Oh merde, je peux pas l'invoquer. Ça. Très bien, mais malheureusement je ne peux pas appeler mon cavalier. Enfin du moins là je ne peux pas là. Si je fais ça, c'est l'étage beaucoup plus haut. Mais attendez. Ok. Où est-ce que j'invoque mon sbire? Il doit y avoir un endroit où je peux la... Voilà. Je renais de la poussière. C'est bien. Oui. Mets-toi là. Hop, et c'est pas celui-là, comme par hasard. Mais heureusement, on a une vue. Voilà. Allez, go, 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 petit scarabée. Bim. Alors. Tac, 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 tac. Hop. Hop, hop. Alors merde. Eh ben ouais, je le savais qu'ils allaient faire ça. J'aurais dû, quand j'étais là-bas, bah... dire à mon pote d'aller là-bas, plutôt que de foncer, voilà. Hop. Hop, maintenant que je suis posé ici.
Non, je vais pas... Hop. Là, je vais dire d'aller là. Hop. 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 Et c'est parti. Là, normalement, c'est débloqué. Tranquille. Hop, je ramasse ce truc-là. Je jette dessus. Hop. Et c'est parti pour aller sauver la troisième âme. Bien entendu, il y a un truc sous l'eau. Voilà, un truc de Vulgrim. Hop là, c'est parti. Ah, ça va, c'était pas trop chiant celui-là. Mais l'arène est plutôt large. Oh, je vois l'arbre de vie. Combat. Ah non. Bon bah. Pas de combat. Je sais pas, il y a une arène. J'avais une lueur d'espoir. Oh. Ouh, t'es fâché toi. Attends, faut que je tape. Assez de courroux. Vous allez vous calmer, je vous le dis tout de suite. Non. Bien sûr. Salut. Attends deux secondes, j'appelle les sbires. Et d'Otense. Ça rappelle le bras de Nero, ce pouvoir là. Je me disais, qu'est-ce qu'il me disait ce pouvoir, et là, c'est bon, je peux vous dire clairement, ça me rappelle le pouvoir de Nero dans DMC4. Oh. Je suis niveau combien? Il y a une arme intéressante qui a été lootée. Bon alors, attendez. Je vais aller voir. Alors, un point de compétence. Véritable cancer d'après. Accroît la force de death pendant quelques instants. Ouais, mais ça m'intéresse pas, la force. Les ghouls infligent 12 points de dégâts, 12 points de dégâts, chance de coup critique magique des ghouls de 5%. 19 de corbeaux jaillissent de l'éther et attaquent les ennemis de Death. En plus de protéger Death, Aegidis. Ah, c'est ça. Renforce sa puissance magique. Ah. D'accord. Attends, c'est quoi ce pouvoir là? Death puise dans ses réserves de courroux pour faire attaquer les ennemis. Les dégâts de frénésie sont proportionnels à la quantité de courroux disponible. Ça a l'air power ça. On m'a dit aussi de prendre un pouvoir qui permet de charger Death fond sur sa cible et porte un violent coup de faux. L'attaque acquise des gros dégâts et restaure un peu de son énergie vitale. Voilà, c'est ça qu'on m'a dit d'acheter. On m'a dit que c'était utile même pour un magicien. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. On me l'a dit plusieurs fois, donc sur le coup, je vous fais confiance.
Ouais bah c'est bon. Hop. On va faire L1 triangle, tiens. C'est grave ce qu'il est. Comme si je t'avais pas vu. Page. Je me demande combien j'en ai là. J'en ai pas mal, hein. Je crois que je vais tous les vendre. Ah bah 8 sur 10. Bon allez, c'était pas trop compliqué. Ça m'a juste fait perdre une heure de jeu. Ah. Allez hop. Descendons vers les enfers, my friend. Hop là. J'ai une arme qui gravite autour de la main gauche. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est bien par là. Allez, ce sera la même cinématique. Le jugement est proche. Ah bon? Ces humains, toujours si effrayés. Regardez votre vie en face. C'est terminé. Le roi vous convoque. Et je réponds à l'appel. T'avais intérêt. Vous oubliez votre rang, Néphilim. Vous êtes un cavalier, mais je suis un seigneur des morts. Et votre roi réclame votre présence. Ce royaume appartient à la corruption maintenant. Nul ne peut lui résister. Vous me méjugez? Vous n'avez pas le pouvoir des sceaux à vos côtés. Vous succomberiez à la plus faible épreuve de ce royaume. J'ai vaincu le champion de la reine. Un simple jeu, cavalier pâle. Il existe des défis bien plus terribles. Parlez aux voix dans l'arène dorée. Parlez-leur du Psychaméron. Survivez, et je vous écouterai. Donc là, je dois aller où? Non, parce qu'il commence à me faire chier. Fortement. Oui, d'accord. Retourner à la tombe de Pharis. C'est ça la quête? Attendez, j'ai cherché s'il n'y a pas un gros point. Non, il est là le point. Arène dorée. Trône éternel, maître des techniques, armure et talisman. Pam, 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 pam. Royaume des morts. Hein, il y a plein de trucs bizarres ici. Hein. L'arbre des morts. Le Psychaméron, c'est ce genre de puits là alors. Trône éternel, maître des techniques, armure et talisman, pic de serpent, coffre. Bon, attendez, on va se TP là. Il y a déjà un point de retour au donjon. Quel donjon? Ça là? Mais moi je vais pas aller là, moi. Moi je vais aller là.